Salut à tous mes abonnés et à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne. Je les invite à s'abonner à ma chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour faire un parfum d'attirance, un parfum pour faire revenir l'être qu'on aime, un parfum qui va vous donner la chance au quotidien et qui va vous ouvrir les portes. Oui. Pour ce parfum, vous avez besoin de quelques ingrédients et les ingrédients qui sont faciles à trouver au quotidien et que nous utilisons tous ces ingrédients chaque jour. Vous avez besoin de du clou de girofle, comme vous voyez. Vous avez besoin des feuilles de laurier, les feuilles de laurier. Vous avez besoin des feuilles de basilic, c'est ça. Feuilles de basilic, ça c'est, on appelle ça condiment appelé basilic. Voilà comment ça se présente. Donc vous arrivez au marché, vous demandez à ce qu'on vous donne les basilic. On va vous donner. Et après avoir acheté tous ces ingrédients, vous achetez un parfum ouvrable. Moi, j'ai préféré utiliser le parfum Saint-Michel. Je vais vous expliquer pourquoi. Saint-Michel, parce que vous achetez un parfum de votre choix. De votre choix. Alors, si vous achetez un parfum de votre choix, un parfum ouvrable. Moi, j'ai préféré prendre Saint-Michel parce que c'est ouvrable, oui. Comme vous voyez, je peux bien l'ouvrir. J'ouvre et j'ai retiré la tête. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai pris ce parfum. Oui. Et après avoir acheté tous ces ingrédients, vous pouvez commencer par mettre le clou de girofle. Et vous avez besoin de combien? De 16 clous de girofle. 16. J'ai bien dit 16 clous de girofle, 3 feuilles de laurier. Comme vous voyez là, les feuilles de laurier, c'est ça. Que ça soit sec, que ça soit fraîche, vous utilisez, il n'y a pas de problème. Et vous avez besoin de 3 feuilles de basilic. 3 feuilles de basilic. Pour cela, on va commencer par mettre le clou de girofle, 16 clous de girofle dans notre parfum. On met 16 clous de girofle. Je prends, je mets les 16 clous de girofle. Je mets dans le parfum. Je mets dans le parfum. Je mets, et après avoir mis le clou de girofle, vous prenez les feuilles de basilic. Oui, vous mettez 3 feuilles de basilic. Voilà, 1, 2 feuilles. Troisième feuille, c'est ça. Et ensuite, pour finir, vous mettez vos feuilles de laurier. Vos feuilles de laurier, vous mettez là, comme ça. Première feuille de laurier. Deuxième feuille de laurier. Et ensuite, troisième feuille de laurier. Et vos feuilles de laurier ne doivent pas être perforées. Donc, après avoir mis tous les composants dans votre parfum, vous fermez, comme je suis en train de le faire. Vous fermez. C'est ça. Vous fermez. C'est ça. Le mélange. Voilà ce que ça donne. Et après avoir fait ça, vous
Gardez-vous, gardez votre parfum. Ça va faire 4 jours. C'est au cinquième jour que vous allez commencer à utiliser comme votre parfum d'habitude. Et si ça finit, vous pouvez refaire le rituel. Donc, ce qui est sûr, faites-le. Ça va marcher. Pour celles qui cherchent le mariage et celles qui se séparent de la personne qu'elle aimait ou celui qui s'est séparé de celle qu'il aimait, vous pouvez faire ce parfum, vous utilisez. Cette personne va revenir, je vous assure. Faites-le, vous allez me dire dans les commentaires. C'est ça. Vous utilisez ça. Après 4 jours, donc 5e jour, vous commencez à utiliser. Quand ça finit, vous pouvez faire l'autre. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, je les invite à s'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification.